Dimanche 5 août, retour au Bercail pour deux maisons, comme chez lui à Ramatuel. Sa galerie de personnages loufoques, féroces et décapants a fait mouche sur le public du festival. La dernière fois que vous êtes venu, vous avez plié le public en 4. Est-ce que cette fois-ci, vous visez plus haut, plus fort, plus Je vise de le plier en 6. Ouais, en 7. Un origami bien complexe. Et ben je garde un magnifique souvenir effectivement de ce festival il y a 4 ans. Et voilà, je suis très très heureux d'être là. Très très heureux de retrouver les planches de Ramatuel, de retrouver ce plein air, ce théâtre de verdure, de retrouver ces étoiles, cette bonne étoile de Jean-Claude Brialy, cette étoile filante de Michel Bougenat et de Jacqueline Franjou et de tous les gens du festival. Je vous demanderai un peu de respect devant ce flacon. Wow! Pour vous, c'est une bouteille. Pour le vigneron, c'est une année de sueur, de labeur, de lutte intestine, de dépression, de suicide collectif. Vous avez en commun avec Charles Bois d'avoir été le chef des Lapins Bleus. C'est un rôle qui a dû demander beaucoup de préparation, qui a peut-être laissé des traces aussi. Oui, oui, effectivement, ça a été un des plus beaux rôles de ma vie. Le chef des Lapins Bleus, oui, dans une version de dessin animé d'Émilie Joly, exactement. Alors, il y a deux jours, on avait Samuel Le Bihan sur scène. Ouais. C'est quelqu'un qui est important pour vous. Hein. Qui a été primordial. C'est mon parrain artistique, c'est le parrain de ma fille, je suis parrain de la sienne. On est très très amis, on est très très liés artistiquement et amicalement. Donc, oui, je crois qu'il était très très heureux de jouer ici. Il m'a dit qu'il était vraiment fou de joie de l'accueil qui avait été réservé à Hollywood. Et donc, je suis vraiment hyper heureux de. Quelques jours après de fouler les planches qu'il a foulées. Voilà. Ça change pas grand-chose, une femme québécoise, sauf peut-être quand on couche la petite. Moi, c'est fait dodo colle à mon petit frère, elle, c'est... Suis les mécaises dans le fond de la boîte à bois. Les spectacles, c'est coécrit, comment vous faites? Il y a plusieurs mains. Oui, c'est ça, on travaille ensemble. Samuel, il a... Je dirais que c'est l'œil un peu artistique, un peu... Ouais, c'est un auteur sur le spectacle, véritablement, et il a cet œil qui fait que, voilà, quand on prend une mauvaise direction avec mon metteur en scène, Eric Théobald, ça nous arrive, ou avec Michael Quiroga, co-auteur, Samuel, il vient un peu, nous donner son avis, son grain de sel de breton, et souvent, quand il nous donne son opinion, voilà, c'est souvent assez tranché, et souvent très très juste. Bonsoir à tous. Et bienvenue dans ce training, tromper sans se faire choper. Pour un prochain one-man show, après Deux Maisons, S'évade, S'envole, est-ce que vous cherchez d'autres tangentes? Deux Maisons, sur orbite, ou je ne sais pas, mais en tout cas j'espère que ce ne sera pas Deux Maisons s'écrase, en tout cas. C'est toujours l'idée quand même de ouais, un sentiment de liberté, un sentiment de bonheur d'être sur scène et de d'être comme ça, de se... Oui, il y a vraiment quelque chose qui, moi, me transporte quand je suis sur scène. C'est ce contact avec le public, cette liberté qu'on a quand on est sur scène et qu'on a nulle part ailleurs à ce point-là, quoi. Quand tu vas au musée, quand tu vas aux sculptures de Michel-Ange, tu touches pas. Et bien là, c'est la même chose. Je dois protéger mon patrimoine artistique. Tu regardes, tu admires. Tu te laisses gagner par l'émotion. Oui, tu peux pleurer.